Ce serait pas le début d'une carrière de magicien, là ? Eh bien, bonjour à tous, c'est Overdose. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo plutôt particulière. Oh, il a pas dit vidéo spéciale. Je vais vous présenter mon setup actuel, puisque il va très très bientôt changer, c'est-à-dire aujourd'hui, mais bon, du coup, j'ai jamais présenté ce que j'avais maintenant, donc let's go. Donc tout d'abord, faut savoir que la pièce où je me trouve, donc c'est pas vraiment une pièce, c'est une pièce collée à une autre, comme vous pouvez le voir, un trou béant dans la pièce d'à côté. Je suis simplement dans mon salon, mais j'ai quand même cette petite zone, et quand je dis petite, j'exagère pas, qui m'est dédiée. Mais donc c'est configuré étrangement, et donc c'est un peu le bordel. Et du coup j'ai des choses qui sont pas du tout appropriées, ça manque de place. Et du coup c'est devenu un peu le foutoir, donc je me suis dit, oh, faut que ça change. Donc je vais tout de suite vous enlever de là, pour la première fois. Et vous allez rentrer dans les coulisses. J'ai aucune idée de si le plan est net ou pas, mais bon, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, je vais sans doute mettre l'autofocus pour cette séquence. Alors, donc ici, on retrouve mon espace gaming, donc c'est pas courant, mais donc c'est sur un bureau d'angle. Bureau d'angle qui m'a... Putain, l'autofocus, c'est de la merde. Donc bureau d'angle qui me sert depuis de nombreuses années. Je peux vous dire que j'en ai fait des devoirs là-dessus, hein. Bon, allez, c'est parti. Commençons par les périphériques. Donc là, vous, comme vous pouvez le voir, donc... On a un petit clavier Corsair pas dégueulasse. Une petite souris SteelSeries. Donc je suis désolé, on va pas avoir grand chose. Là ici, donc on a un petit Oberweaver de chez Razer. Je ne joue plus qu'avec ce truc. C'est vraiment la folie. Tentative de focus. Mais il ne sait pas le faire. Juste ici, on peut retrouver le support de casque Corsair avec le casque Corsair qui va bien avec. Puisqu'il faut évidemment un bon son. Nous avons là trois écrans, pas du tout à la même hauteur. Et oui, vous avez remarqué, il y a un plateau ici pour surélever l'écran. C'est tout à fait inutile d'ailleurs. Et par ailleurs, c'est trois écrans totalement différents. Là, nous avons ici un petit écran Asus 24 pouces, qui est mon premier écran. Là, on a un BenQ que j'avais acheté du coup pour faire office de moniteur 24 pouces également. Et le dernier en date, donc là, c'est un écran AOC, donc du coup, qui est en lui en 144 Hz et pas les autres, en 24 pouces. Et un curry, spoil, il va y en avoir deux autres. Donc, théoriquement ici, il y a la caméra que je tiens dans les mains, donc c'est un petit Canon EOS M100 ou M10, je sais plus. Nous avons une petite paire d'enceintes, comme vous voyez, rétro-éclairées, c'est pas dégueulasse, qui ont chacune une puissance nominale de 2 watts. Donc là, juste derrière, une simple lampe de chevet avec une ampoule RGB, avec sa petite télécommande d'ici. En éclairage pour du gaming, il faut vraiment des choses sympathiques. Alors du coup, nous avons un éclairage de fond blanc qui va envoyer du lard et à l'arrière. Enfin, ça c'est à l'arrière. À l'avant, c'est une ampoule RGB pour plus de kikoulol, tu vois. Mais alors mon espace de travail est aussi mon espace personnel. Du coup, j'accumule un tas de bordel. Là, vous voyez, j'ai par exemple mes arômes et mes bases quand je fais mes liquides de cigarettes électroniques. Là, il y a du filament pour mes stylos 3D. Juste à côté, donc, dans cette tour, il y a tout mon nécessaire pour réparer mes clopes électroniques ou si je mets mon coton, mes fils, tout ça. Et alors ici, donc du coup, c'est ma petite caverne au trésor. C'est toutes les figurines que j'ai, donc... Bon bah écoutez, pour l'instant pour les exposer c'est un peu compliqué. Sur la gauche du bureau, mesdames et messieurs, nous avons des affaires, voilà, machin. Dont des bocaux, donc ceux qui me suivent parce que ils savent que j'ai fait du Fallout. Vous savez pourquoi je garde cette monnaie, c'est parce qu'en cas de fin du monde, je vais vous racheter vos maisons, moi. Au mur, nous avons un petit peu de déco. Ça c'est totalement inutile de le montrer, mais je m'en bats les couilles. Et derrière moi, de ce côté-ci, nous avons beaucoup, 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 beaucoup de cartons. Et le fameux bureau. Ah, oh, et des papiers cadeaux. C'est parce qu'il y a des lutins ici. Ils préparent les cadeaux pour pareil. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas super optimisé. Il y a vraiment du travail à faire. D'ailleurs, si lorsque vous regardez cette vidéo, le son, vous le trouvez un peu à chier, c'est parce que je suis loin du micro. Et enfin, nous avons, pour terminer, le PC. Ah, ce PC. Et une poubelle cassée aussi. Mais ce PC, ah là là. Ça fait 4 ans que je l'ai. Jamais. Si, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais vous dire qu'il n'y a jamais eu d'upgrade. Mais si, voyons. Il y a eu un ajout de RAM, puisque de base, il est en 8 Go de RAM. Je ne lui en ai rajouté 8 autres. Mais à 2100
Gigahertz, 100 CL, 19, c'est pas très très ouf. Ah, j'avais oublié aussi, les petits éclairages en ring light, comme vous pouvez le voir là, qui sont pratiques, on peut mettre absolument n'importe où. Les chats, venez par ici, les chats, je vais essayer sans vous. Les chats sont pas d'accord. Donc voilà, voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est un peu le foutoir, il y en a partout, hein. Encore, et encore, ah, attendez, tentative de focus. Tu vas focusser, hein, là, pof, qu'est-ce qu'on a là? On a de la GoPro derrière, d'ailleurs, elle est où la deuxième? Oh, ça peut le faire, ça. On a des petits boosters, on a des fioles de liquide, un mètre! Et ouais, parce que je mesure souvent des trucs. Enfin, voilà, voilà, quoi, hein. Donc, du coup, c'est une vidéo courte qui est pas là pour faire le baise ou quoi que ce soit, c'est surtout pour que les gens qui me suivent, avant tout, donc, pas vous, les haters, vous allez vous faire enculer. Je parle pour ceux qui me suivent vraiment parce qu'ils apprécient qui je suis et pas autrement. Même si je pense que vous allez être deux, c'est-à-dire mon chat et ma femme. Il y a mes amis aussi. Enfin bref, voilà. Donc du coup, dans la journée, tout ça, ça dégage, ça va faire mal au cœur, mais ça dégage parce que c'est un gros tournant. C'est surtout beaucoup de câbles à enlever et ça fait grave chier. Mais bon, il va bien falloir. Ah ça, on l'avait pas fait le petit plan sur le papier tu mouches là-haut, hein. On l'avait pas fait le plan là-haut.